C'est la dernière game de la soirée. Game numéro 6. On l'a fait sur Erangel en duo classique. Le loot est globalement augmenté, mais sinon, tout le reste, les règles restent assez normales. Sachant que pour les zones, on utilise le mode e-sport. Alors, dans cette partie, on aura, comme d'habitude, une dizaine de malusés. Et on verra bien ce que ça donne. Bonjour, c'est à vous après? Après, je sais pas. KO, je jouerai peut-être après, mais genre après une petite pause. J'hésite. Est-ce que j'enchaîne cash ou est-ce que je fais une petite pause entre temps? Parce que. C'est rude. C'est rude, ça fait un gros non-stop quand même. Moi, je suis là depuis 20h20. Depuis 20h20, sachant que j'ai déjà un peu stream cet après-midi. J'avoue que faire une petite pause, ça fait pas de mal. En général, après, je suis éclaté. Là, franchement, ça va. Je suis plutôt en forme pour une fois. Mais si je suis en forme, bon, y a pas de problème. Ça jouera. Allez, c'est parti. On va aller dans la meilleure ville du monde. Enfin, du monde de PUBG, quoi. J'ai rien fait. Alors. Merde, Attila, il est où son duo? T'as planté, Kous? Ouais. Merde. Est-ce que t'arriverais à rejoindre quand même la game? Bah là, je suis en train. Non, il n'arrivera plus. Ça t'a mis le message genre, tu peux plus te log, je sais pas quoi, là? Attends, ça initialise... Bah non, mais s'il est pas là, déjà, dans l'avion... Des fois, sur les customs, ça nous est arrivé que ça marche quand même. Ouais, ça va lui mettre un message d'erreur. Hein. Normalement, ouais. Oh, Jartemis, il a eu Shackwell. Moi j'ai pas droit de casque, c'est ça? Merde. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Il l'a déchiré. C'est ça qu'on veut voir. Ah. Avec moi la partie d'avant, t'aurais pu le laisser en vie. Je savais pas où était son coéquipier. Bon, tu le laisses au sol au pire. J'ai cru que j'étais pas stuff. Putain. Bon, allez à toutes. Bon courage. Pose miam. Voilà. Exactement. Non, en miam, ça va. Quoique. Petite banane là. Non, aller se coucher, c'est pas bien, mais j'hésite. Alors, Attila, il est tout seul. Dans la zone. Sans son casque. Petit car, est-ce que ça joue le car? A priori, oui. Hein. C'est quoi cette arme moche? C'est une M4? C'est une Beryl? C'est quoi? C'est complètement moche. On a même plus à reconnaître ce que c'est, tellement c'est moche. C'est bien une M4, hein. Une Scarelle? C'est moche, c'est une Scarelle. Allez, Scarelle. Vendu pour Scarelle. Bah ma foi, on va bien se faire chier. Hein. Alors, s'il y en a qui veulent, je rappelle un petit peu ce que c'est que les malus. On a le VIP qui est Blacky. Le VIP, il a droit à rien. Voilà. Il a droit à rien, si ce n'est un petit flingue. Donc ouais, genre celui-là, il a le droit. Voilà. Du soin. Éventuellement une bâtée, et voilà, il sera full stuff. Donc il a le droit à rien d'autre, mais par contre s'il finit, là on est en duo, donc s'il finit dans le top 5 avec son équipe, ils vont doubler leur point de classement, c'est le principe. C'est un malus ultra hardcore, mais si on joue bien le placement, ça peut le faire. Le killer, c'est Shackwell, ben il est mort. Shiny Furax, il est médecin, donc il n'a pas le droit d'utiliser les trousses de secours, là il en porte une, mais faudra qu'il la donne. Pas vraiment qu'il la refile. MCD, il est hyper actif. Ça, c'est pareil, il a pas le droit au boost. On peut pas voir s'il emporte ou pas, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Le poids plume, c'est Kous. Ah, Kous. Je suis où? Visiblement, je suis au sud, par ici.
C'est un délire. Alors, c'est sûr que t'as pas pu te reco dans la gamme? Bah, si, si, je suis là, mais je suis dans l'avion. Depuis tout à l'heure. Bah, je te vois dans les airs, moi. C'est ça? Ouais, c'est ça, je suis dans l'avion. En dehors de la map. Mais lol! Parce que même moi, en tant qu'observateur, si tu veux, je vois que t'es là. Enfin, je vois pas ton body. Je peux pas voir ton body, mais je vois, j'ai bien ton écriture de nom. T'es en train de perdre de la vie doucement, là. Ouais, c'est ça. Voilà, paf, ici c'est en zone. Du gros fun, quoi. Ah, je peux pas arriver à te décoincer, moi je peux rien faire. Non, tu peux. Je fais pas d'effort. Je peux que te kick. Ah, c'est la première fois que je vois ça, perso. Ça. Ça fait quoi? Ça fait 38 semaines qu'on organise ça. Donc 38 semaines, je sais pas combien ça fait de mois, mais. Ça fait un petit paquet déjà. C'est la première fois que je vois. Ok. C'est sympa. Il faudrait que je puisse zoomer, ça serait sympa. Le karma. À chaque fois, il dit c'est le karma. Ah, mais pour la game. Non, pour la game d'avant. Pour la game d'avant, en fait. Top 1, voilà le karma parce qu'il s'est fait écraser d'entrée de jeu. Ah, d'accord. Donc, bah, en fait, t'es l'homme invisible là, tu vois. Et toi, t'as rien moyen de faire. Tu peux sauter, press F, presque ce que tu veux. J'essaie toutes les touches. Roule ta tête sur le clavier. Sauter sur le clavier à pieds joints, peut-être. Ouais, faire passer le PC par la fenêtre. Ah non. Je suis curieux de voir quand tu vas mourir ce que ça va faire. Il y a une caisse qui va pop dans l'eau. Très bonne question. Je vais tomber. Mais. Plus quand je suis sur toi, j'ai la souris, elle est inversée, ça n'a aucun sens. Ah, là c'est bon, c'est revenu. Moi je le vois dans les airs. Tu le vois? Tu vois un bonhomme? Non, j'ai ça sans signe. Ouais, moi j'ai le signe aussi, mais il n'y a que le signe, il n'y a pas de bonhomme physique en fait. Là, moi j'ai son nom suspendu dans les airs avec. Bah, là je vois qu'il va bientôt crever quoi. Plus pour longtemps. Ouais. Voilà. Il y a une caisse qui a pop. Spectateur. Il n'y a pas grand chose à voir sur moi. Alors là par contre je m'amuse, je fais des imprimés écrans. Hein. Bon, bah, merci pour la partie. Là, je suis désolé gros. Hein. C'est tellement relou ça. Ton jeu il est sur SSD ou pas? Mon jeu il est sur SSD en M2. Ok. Depuis aujourd'hui. Ah. C'est le depuis aujourd'hui ouais, qui fait un peu... Pour la version M2, hein. J'étais déjà sur ça. Bon allez, je vous laisse. Bon courage. Merci. Merci. Alors ça, si je poste la photo et que je dis que c'est pas un montage, t'as personne qui me croira. Peut-être ici. Meilleur jeu du monde, incroyable ce truc de l'avion. Ah ouais, mais... Alors perso, c'est la première fois que je vois ça. Hein. C'est clairement la première fois que je vois ça. Pourtant, des bugs quand même, j'arrive à en voir. Alors un coup, c'était à la semaine dernière, c'était à la villa. Il y a un joueur qui était coincé dans une texture. Je me suis mis en vue sur lui. J'ai littéralement vu une caisse en bois remonter. Elle est remontée là où il était, et pof, ça l'a fait sortir. Et mais il a été débloqué pile au moment où je suis venu sur lui. Ça n'avait aucun sens. Comme si moi, depuis mon côté, le fait de charger une texture, ça allait l'aider. Oh, j'ai pas d'explication. Ah, il a changé pour un SKS. Oh! Faut full auto, là. Ba-b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 a. Oh! 113 à Blacky, il a pas de casque, c'est ça? Ah là, 113 de dégâts, clairement, il y en a un qui avait pas de casque. Blacky, c'est le VIP.
Alors là, s'il n'est pas vite sauvé, Moru n'aura plus le droit de jouer. Alors la smoke est bonne. Par contre, Cafio. Cafio, bien joué ça. Allez, Cafio. Ah ouais. Le raise est en train de passer. Alors, le... clairement, faut juste camper la voiture en fait. Hein. Boum! Bien joué, ça, Cafio! Petit headshot à la morue. Et une petite balle à Blackie qui venait de se faire réanimer. Bon, bah, le VIP finira pas premier. Hein. Alors, ici. Killer. Est-ce qu'on tire sur Jartemis ou pas? Il manque un bâtiment là, je crois. C'est bon, il y a. Donc, on ne tire pas. Ça joue safe. Ah, Attila, je pense qu'il cherche du monde, tout simplement. Ah oui, monsieur est joueur. Hein. En gros, il cherche clairement du monde. Où est-ce placé? Je sais pas trop. Ah, non, on va voir ça, parce qu'il va y avoir du fight, là. Ah, est-ce qu'il s'arrête? Alors, s'arrête pour Attila. Ah, je suis curieux de voir. Moi, je l'ai pas trop vu jouer. Mais ouais, elle a géré de ouf. Qui fait, ouais, carrément, elle a bien géré. Elle a contourné, elle a pris son temps et ils ont eu juste aucune chance en fait. Ah, il l'a vu à la fenêtre, je pense. À couvert de l'arbre. Alors, est-ce qu'on va mettre une petite balle? Oh. Ça tape un peu dans le muret. Petite grue pour confirme. Hop. Normalement, elle est bonne. C'est bon. Dans la maison, est-ce qu'il l'a vu? Je pense qu'il l'a vu. Ouais, carrément. Ah, ça tente, ça tente. Alors, l'iguane, il va changer de fenêtre sûrement. Alors de l'autre côté, on a du monde aussi qui se regarde. Alors Attila qui cherche un petit peu partout. Alors, où est-ce que ça va tirer? Oh, il y a un véhicule qui lui arrive droit dessus. C'est Jartemis, du coup, et Shinyx. Il y a une petite tête qui est passée au passage. Ah, ça tape dans la voiture, on voit bien les impacts. Alors, l'Iguane qui va décider de se barrer aussi. Ouh, c'est une balle qui touche quand même. Oh là là. Alors, est-ce que l'Iguane va également se faire tirer dessus? Ouais, ça passera pas non plus. Alors, Killer Click, il est où? Ah, il y a du monde pas loin. Alors, Fnatic et Killer qui se font tirer dessus par Cafio et Mister Oiseau, qui ont déjà fait leurs deux petits kills. Hmm. Personne dans la moitié nord, c'est marrant. Techniquement, la prochaine zone va être ici. Hein. Moi, je parie. Ah, Cafio, par contre, c'est bien de rezoomer aussi. Là, je pense que t'es dézoomé. Peut-être pas mal de rezoom. Cette distance, quand même, ça vaut le coup. Ah bah, ça touche quand même. Hein. Bon. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la zone méga intéressante. C'est vraiment la prochaine. Oh.
Ouh. Alors là, Cafio qui met une tête, Oiseau qui enchaîne. Le mec a pris deux têtes. Et là, c'est le moment où il faut rush. Hein. On va peut-être pas, c'est du hors zone. Alors, Attila. Attila qui passe légèrement à cover des maisons. Attila, gros joueur, quand même. Il faut le préciser. Alors, s'il s'arrête, l'endroit où il va s'arrêter, ce sera clairement réfléchi. Hein, ça va pas être au hasard. Oula! Oh bah, Kirkland qui s'est fait genre instantanément torcher. Du coup, ZFX, faut trouver la solution. C'est quoi la solution? ZFX. Du coup, ZFX. Qui c'est Pinta de IMCD du coup? Alors ZFX, il a pas de casque aussi, ça va être chaud. Alors MCD et Pintade qui décident de ne rien faire du tout. Alors Attila, il a tué Fnatic. Enfin non, il a knock, pardon. Alors. Est-ce qu'il va tenter de les rush? Alors il va changer son angle. Oh! Ah bah Killer, il a pas demandé son reste, hein. Bon bah, au revoir Attila. Dommage que son mate n'ait pas pu se reco, ça fait chier. Mais bon, ce soir, on en a eu quasiment un par game. Alors. Ah, Killer, c'est compliqué, hein. Killer, il a plus que des bandages. C'est pas évident, ça. Cafio qui est plutôt bien placé. Alors ici, comment ça se goupille? Ah, peut-être qu'il doit chercher un angle. Ah, est-ce que ZFX est vraiment parti ou pas? Toujours pas. Alors, Mister Oiseau, qui a réussi à avoir son kill sur le quick beat killer. Oh, ah oh, ah oh, ah oh. Et voilà, Mister Oiseau qui a le kill sur Killer. Alors que Pinta des FX et MCD s'amusent toujours. ZFX il est à l'extérieur. Incroyable. Alors Pinta qui a tenté un truc. C'est dangereux. Voilà. Ouh, ZFX est dans la merde là. Oh, ça a poté tôt de ouf des deux côtés là. Oula, MCD. Qui est-ce qui a tenté MCD? Ah bah quand même, la petite vengeance. Patate qui tue ZFX, pendant ce temps, il se fait tirer dessus par qui? Ah bah j'ai pas compris. Ça venait d'où? Excusez-moi. Alors, 6 équipes, 10 vivants. Il n'y a plus de VIP. Qui est-ce qui nous reste? Alors, on a ici un mec qui a pas le droit au gilet. Jartemis. Lui, c'est MacGyver. Donc, il n'y a pas de mode sur ses armes. Il y a un étendu sur son UMP ou pas?
Alors, Pintad qui s'est fait trouver par Shiny Furax, donc le coéquipier de Jartemis. Foxyra qui a tué Iguana. Ça, ça va leur permettre de déverrouiller la situation pour aller jusqu'aux maisons. J'ai un doute pour l'UMP. Bref. Donc lui, il était médecin. Cafio et Mister Oiseau. Rien de particulier. C'est à gauche. À gauche. Un Shiny Furax. Alors l'angle est petit, hein. L'angle est clairement très très petit. Ah, il peut pas les voir. Trop compliqué. Oh, par contre, Foxyra tente une jolie petite balle. Alors là, s'il avait fait un kill comme ça, ce serait propre. Hein. Alors, 4 équipes, 8 vivants. Forcément que des équipes de 2. C'est évident! Alors, Zephyx est déjà mort, faut le rappeler quand même, parce qu'il était premier au classement. Le fait qu'il soit déjà mort, je pense quand même que ça pourra pas lui permettre de d'être rattrapé au niveau du score. J'ai pas très très bien compris, mais ok. Alors, deux équipes dans la zone, deux équipes qui sont pas dans la zone, les deux qui sont dedans vont peut-être se jouer. Ce qui n'est pas le plus intéressant à faire. Au mieux s'entraider à ce stade-là de la partie. Au mieux s'entraider et empêcher le reste de sortir. Puis ensuite, on se joue entre nous. Mais au moins, tout le monde fera un meilleur top. Parce que sinon, tout simplement, le temps qu'on perd à se jouer entre nous, bah, on laisse les autres joueurs entrer dans la game. C'est aussi simple que ça. Hein. Là, si eux, ils couvrent tout ce côté-là, ils savent qu'ils ont du monde là-bas, ils se mettent pas aux fenêtres et eux, ils couvrent de l'autre côté. Bah, finalement, ils s'entraident momentanément. Et potentiellement, ils empêchent à eux tous d'entrer une équipe ou deux. Alors. Oh. Oh. Alors, un knock partout. La balle au centre. Sauf que Jax est très mal placé vu que c'est Jartemis qui l'a knock. Je pense que Jartemis a de quoi le finir. Alors Mister Oiseau devrait pouvoir se faire réanimer, je pense. Alors, la petite smoke, ce serait pas mal. Elsky, il est simplement Bambi. Je serais curieux de savoir si Jartemis a la vue. Ouais, il a carrément la vue. Ça y est, ils ont plus la vue. Elsky, du coup, qu'est-ce qu'il tente? Alors, une grenade sur Cafio. Alors, Mister Oiseau a tué lui-même. Allez, Cafio! Range tes armes et cours! Range tes armes et cours! Range tes armes et cours! Ça passera pas. Ouais, cours, 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 cours. Range tes armes. Voilà! En vrai, elle a clairement de l'espace pour s'insérer, hein. Alors, envoyer les smokes d'un côté et aller de l'autre, c'est pas forcément bête, on se fait oublier, on se couche par terre. Oh non, c'est trop moche. Il y avait tellement d'espace à droite. Mais bon, on peut pas savoir où sont les équipes. Hein. En tout cas, c'était bien joué de sa part. Du coup, effectivement, les équipes ne sont pas entrées en zone. Maintenant, les deux dernières, elles peuvent se jouer. Elles savent normalement très bien qu'il y avait deux mecs ici. L'autre équipe le sait parce que les deux ont tiré. Et inversement, je pense que tout à l'heure, ils ont compris qu'il y en avait deux qui avaient tiré aussi. Alors, c'est Foxyra qui ont et Killerclick qui ont à la fois la hauteur et la zone. Pas évident pour les deux autres, du coup, de s'insérer. Vraiment pas évident. Alors, les fenêtres sont surveillées. 34 secondes. Et merci Pipo pour le follow. Merci beaucoup Pipo213. Bienvenue. Alors. Jartemis qui est en dessous. Je pense que Fox le voit pas, mais lui doit arriver à le voir avec la... Je sais pas, avec un petit effet de plongée peut-être, je ne sais pas trop. Alors Jartemis. Jartemis qui a rush. Oh, c'est bon, c'est mis ça.
Et ouais, la grenade qui pète à l'intérieur, ça suffit. Ça reprend des dégâts. Un bon midlife. Oh, la dernière pour le terminer. Non, ça passe, ça suffira pas. Ah si, ça suffit. Alors, explique Fox. Fox qui est rez-de-chaussée. Alors, 1v1. Comment est-ce qu'on gère la situation pour les deux joueurs? Si Shiny a l'info qu'il est en bas... Ah, y a pas de grenade pour Shiny. En plus, il est médecin, il a pas le droit aux trousses. Compliqué pour lui. Par contre, il y a du full T3 à côté. Ça, c'est peut-être la solution. Compliqué à obtenir, mais... Alors... Alors c'est vraiment couillu, hein. Ah dommage qu'ils prennent pas le temps de mettre le casque. Un casque, un gilet, peut-être que ça lui aurait permis d'avoir un petit peu plus. Mais c'est bien tenté de sa part, c'est super bien tenté. Bien joué à eux, bien joué à tout le monde. Allez. Bien joué du coup à Fox et à Killer Click. 4 kills, première place. Jartemis et Shiny à la deuxième place avec 5 frags. 5 frags également pour Cafio et Mister Oiseau. Bien joué à eux. Jax TV et Hellsky qui font la quatrième place sans frag, la même pour Liguan et Akator. Tac. Allez, on va aller voir tout de suite. Bon bah GG, c'était joli comme fin. GG Fox, GG. GG. Ah, la fin de game était vraiment sympa à tout point de vue, quoi. Ça s'est bien tapé. Ah, Cafio, c'est bien, t'as bien géré sur cette game là, vraiment t'as. Putain. Et même avant, quand il y a eu le fight contre le. Contre le VIP. Ouais, elle a bien push. Ah, t'as bien push, t'as fait tout le tour, t'as. Pff, tu es propre. Ouais. Sans forcer. Elle les a défouraillés. Exactement. En gros, moi je me suis tapé un rollback du tonnerre, hein, celui qui m'a tué les OSLR. J'ai pris la première balle, la deuxième j'étais dans la maison et je suis mort quand même, quoi. Ah ouais? Ah c'est chiant ça. Moi mon perso il a fait un truc chelou quand j'étais allongé aussi. Quand j'étais allongé contre le mur, quand j'ai tué MCD, mon perso il s'est retourné d'un coup tout seul sans même que je bouge quoi. Trop bizarre. 4. Hop. D'être solo. Ah merde joué. Putain. Oh bah ça fut très sympathique. Ouais. Pensez à la semaine prochaine les gars, pensez à en parler autour de vous. Yes, ça. Carrément. N'hésitez pas de faire de la. On ramène ma mère à la semaine prochaine. Bah, elle a plus de 25 ans de toute façon. Oh bah oui, là. Bon bah ça passe. C'est ça. Par pas contre, sûr. Elle sait pas servir sais... d'une souris. Ah merde. Mais si elle sert de servir du clavier, ça passe quoi. Ouais. Bon, je pense que sans. Je pense que sans trop de problèmes, je peux déjà dire que ZFX a remporté le tournoi de ce soir. Ah, oh, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. La semaine prochaine, deux malus. C'est ça. Faut faire un bot dans la semaine. Hein. Donc, c'est minimum deux malus par game, potentiellement trois. Du coup, ouais. Mais est-ce que je peux avoir un prix d'honneur, parce que mon classement est dégueulasse, mais d'avoir quand même tué deux fois Menimi et une fois ZFX à la soirée. C'est si tu veux. C'est Amérique. T'auras un point. De toute façon, je visais que eux. Hein. Les autres, je n'irai pas dessus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, bah, moi, je bon, bah c'est cool en tout cas. Bonsoir à tous. Ouais, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Pour ceux qui veulent continuer à jouer, les gars. Ouais, moi, je suis chaud. Ciao. Ouais. Qui non. veut continuer à jouer, de quoi, de Pintad, il est chaud. Moi je suis chaud. Yes. Bon, je vais dodo. Ouais, pareil, dodo. Ouais. Bon, une bonne nuit à allez, tout le monde. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit générale. Et merci pour les games, ouais. C'était sympa. Pas bon, de soucis. Yep. Ciao. Ciao, ciao. 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 Du coup, c'était qui c'était Blacky, il a fini dans le top. Demain. Bon. Je suppose que non. Bah attends, il y avait combien d'équipes? 11? Bah top 11. Bah en fait, là, le truc c'est qu'ils sont passés en voiture, il y a eu un full auto qui a été fait, il a eu la malchance de se prendre une tête, sauf qu'en tant que VIP, ça fait 111 ou 113 de dégâts dans une AK dans une tête qui a. Enfin, dans une tête qui a pas de casque. C'est. Bah, c'est voilà quoi. Ça ne pardonne pas. On voulait passer de l'autre côté, prendre l'autre pont pour monter, et puis vu que la zone est arrivée, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on traverse les ruines. Ouais. Les ruines.
T'as reçu la photo, Cara? La photo tout à l'heure? Ouais. Bah du coup, voilà à quoi ça ressemble. Ouais. Bon, c'est pas à ce point. Non, c'est pas à ce point. Bah moi, je voulais faire plus, mais le problème, c'est que j'ai pas le boîtier pour... Ah ouais, mais là, c'est discothèque. Par contre, la vitre, tu l'as laissée, toi? Oui. Surtout. Moi, je l'enlève et je le nettoie. La vitre. Attends. Et L-Sky, deuxième, quand même. Bah, la vitre du côté? Ouais. Bah, moi, j'allais toujours visser, ouais. Bah, parce que moi, je sais que je l'enlève, ça refroidit un peu plus, comme ça. Ouais, je sais pas combien... Bah, le plus qui chauffe, je te dis, c'est la carte graphique, en fait. Ouais. Oui, après, moi, 45, elle est à 45 degrés, la carte. Yes. Mais je te dis, pros, y'a pas de risque. Ouais, moi, tu me diras, une fois que ce sera refroidi, peut-être que je ferai pareil. Allez. Mais, ouais, et le kit ventilo, tu devrais regarder, voilà, c'est la marque Aigo, c'est pas une marque très très connue. Kit ventilo plus puce, plus une puce et la télécommande pour rajouter jusqu'à 12 ventilos, 30€. Bah, tu peux me faire suivre les refs si tu peux. Le lien? Ouais, le lien ou le nom, simplement. Aigo, A-I-G-O. Sur Amazon. J'ai payé 30 balles. Et ça, une fonction accélération de tes ventilos, donc moi j'en ai mis un au plafond du boîtier, celui à l'arrière et un en façade. Mais ça c'est pour faire... Attends, ça c'est juste les ventilos ou c'est le water cooling? Je sais pas si... Non, ça c'est juste un kit ventilo à part. Ah ouais, bah ça j'ai pas besoin, il y en a déjà 4 sur la tour. Ouais, après ceux-là ils ont le truc RGB et la fonction d'accélération. Ouais. Je sais pas. T'as le mode nuit, machin, tout ça. Enfin, ouais. Tu peux même les mettre en fonction, tu sais, comme à l'hôpital, pulsation. Ouais. Je peux faire ça. Histoire d'être bien épileptique. Ouais, c'est excellent aussi. Bon, du coup, le top 3, c'est ZFX, L-Sky et Killer Click. Ouais, voilà, Aigo. ZFX. Ah, Shackwell était juste derrière quand même. Ouais, j'aurais pas dû mourir comme un caca là. Comme un caca. Toujours dans la même tennis. Ah ouais, 30 points la dernière game, ça fait mal. Yeah. Allez, parce qu'il marche arrière devant faire. Du coup, moi je vais redémarrer le stream, histoire d'enlever le délai. Comme ça, il y aura plus le délai. Ciao. Du coup, ouais, je redémarre le stream, comme ça, il y aura plus le délai. Pour vous, normalement, ça devrait faire du continu. Hein. Je redémarre.